pause de courte durée. Alors, on a le choix entre Cash Hunt, Last Man, Dagger and Bleeding Hearts. Je vais déjà partir sur Cash Hunt et on va voir ce que ça va donner. Selon les notes de Paldir, les hommes de la garde rouge d'Atrician ont réussi à cacher certains de leurs trésors et certaines de leurs armes dans une de ces caches avant que la garnison ne tombe devant les forces de la rébellion. Eh bien, partons en quête de tout cela. Ah, un chef de l'avant-garde rebelle. Ils nous ont trouvé. Rendez-vous. Combien êtes-vous ici? Nous sommes sans fin, quoi. Nous sommes légion, nous annihilerons. Non, mais on vous disait ici, là, les gars. Vous voulez quoi? J'ai compté, vous êtes 4. Qu'en dis-tu, mon frère? J'ai jamais été très fort au calcul, mais ouais, je crois pas que ce sera un combat très juste. En d'autres termes, on va leur ruiner la tronche. Écoutez, moi, si on leur ruine la tronche, ça me va. Hein. C'est des points de compétences gratuits, cadeaux. Donc, où sont nos ennemis? Ils sont là. Notez qu'il y en a deux en position haute, les deux autres sont là. Ils n'ont toujours pas d'archer. Et ils ont toujours des gens avec deux armes à... Non, il y a un mec avec une arme à deux mains. Ce qu'il faut que je fasse, par contre, que je prenne vraiment l'habitude, c'est que je mette une arme secondaire à mes personnages. Parce que j'ai l'impression que si tu as une arme secondaire active... Tu gagnes des points de compétence de cette arme secondaire. Quoi qu'il arrive. Let's get on with it. Come on. Alors, l'archer. 2%. Oui, bah oui, il est protégé. Bon, allez, on va tirer sur celui-là. Hein. Plutôt efficace, l'archer, là, dis donc. Ready. Alors, toi, notre ami le prince, est-ce que tu peux lancer un sort? Bah non, parce que tu as utilisé une action pour changer d'arme. C'est l'action bleue de changer d'arme. Et toi, l'ami à la dague, tu vas là. J'apprécie le fait de pouvoir augmenter la vitesse de... la vitesse d'animation. Alors, Quint, si tu vas là, 69% de chance de toucher, évidemment tu rates. Et les pourcentages de chance sont pas trop mes amis là, en ce moment. Bien joué l'archer. Du coup, tu recules, parce que bon, t'en restes un archer, mec. Toi, fais donc un sort de dégâts sur ce monsieur. Tu l'as pas vraiment impressionné, mec, avec tes 15 points de dégâts. Pas être méchant, mais c'était plutôt nul. Toi, le... C'est quoi, c'est au dagger? Tu peux bouger que ça, le dagger? Eh, mais t'es vraiment un tachon, mec. Ah oui, lui, t'as pas de case, il pique, hein. Alors toi, 93%, ça se tente, hein. Toi, tu vas me faire un sort de heal sur ton pote. C'est pas très efficace en magie, mon petit pote, hein, par contre. Lui, faut qu'on le tue, hein, parce qu'il fait trop mal. Eh, mais oui, mais non. Je pense qu'on va perdre notre homme à l'épée longue, là. Vous avez été vaincu. Oh, putain, ça rigole pas, hein. Pan, t'es mort. Voilà, voilà. Et on n'a pas fait de save. Bon, bah écoutez, ça va être vite vu, quoi. Ça va être vite vu. Comment dire? Ce fut bref, mais intense. Oui, parce qu'en fait, dans les objectifs, vous devez perdre... vous avez le droit de perdre qu'une seule personne. C'est lui là, Arcus Arlis. Les autres, vous n'avez pas le droit de les perdre. Si vous les perdez, c'est game over. Et comme vous le voyez, perdre un personnage, ça va vite. Ça va très vite. Mais en tout cas, la magie là, elle était plutôt pour avant. Hein. Ah bah du coup, tu rates ton tir, toi. Bah oui. Ah, le jeu est impitoyable, hein. La cause est juste. Ouais, ta cause est juste, ouais.
Ah, le problème, c'est que lui, il peut vraiment nous taper à perpète. Moi, si je veux aller le taper, vous voyez, je peux pas le taper de là où je suis. Hop, toi, tu bouges. Toi, lui, il va pouvoir te taper. Mais c'est le seul qui pourra te taper. Donc, accepte ton destin. Quant à toi, recule. Ah, sur ce jeu, en tout cas, il faut porter soi-même le premier coup. Hein. Alors, lui, il peut taper sur personne ici. Toi, t'as 100% sur lui. Ça me semble plutôt bien. Toi, si tu viens là, tu peux attaquer, normalement. Voilà, bien vu. En fait, je vais changer un peu là. Oui, aïe, oui, moins bien vu. Lui, là. Oh, il saigne en plus. Fâcheux. Il faut qu'on tue lui, là, avec sa grosse hache. Il nous fait trop mal. Bien joué, l'archer. Toi, tu te casses. Tagada, tagada, tagada. Non, non, personne m'a vu. Je suis pas là, c'est pas vrai. Et toi, tu peux pas attaquer. C'est vraiment pas très mobile, mon pote, avec ta dague. C'est terrible. Ah, en fait, tu prends un coup, tu perds la moitié de ta vie. Hein. Alors, on a que du stuff très... Est-ce qu'on est intéressé par tout ça? Non. On va tout vendre. Parce que ça sert à rien de prendre 25 fois des objets de base. C'est toujours difficile de croire que c'est cette saleté de vermine qui nous fait fuir. Ce n'est qu'un léger avant-goût de ce qui est à venir, mon prince. Le gros de leur armée ne doit pas être trop loin derrière. Il faut que nous maintenions notre pas. Tu t'inquiètes trop, Quintess? Mais allez, bougeons nos fesses. Alors, ah, les bleus ont conquis une nouvelle zone et les rouges ont conquis une nouvelle zone. Vous m'en direz tant. Alors, c'était une rencontre en chemin. Hein. Alors, des armes additionnelles et de l'or... de la magurite, il faudrait pas que ça tombe entre les mains d'une patrouille. Il nous faut toute la magurite que nous puissions trouver. En disant ça, je pense qu'on va forcément attirer l'attention d'une patrouille. Voilà, il faut les engager. On va essayer de se renseigner sur le champ de bataille avant le combat, parce qu'ils nous ont pas encore remarqué. Je suis sûr qu'en disant « pressons-nous », on aurait pu éviter ce combat. Mais après tout, on est là pour se battre aussi, hein, je veux dire. Il faudrait que je fasse des saves, un peu. Alors, qu'avons-nous là? 5 vilains, dont un archer. Et nous n'aimons pas les archers. Et du coup, on leur a même pas mis leurs points à nos persos. Ah, ils ont 2 archers. Et du coup, notre archer est déjà quasiment mort. Avant même d'avoir joué. C'est pas ultra pratique tout ça. Toi, essaie de lui mettre la pression. Et toi, le dagger, bah, comme d'hab, tu avances de 2 mètres. Quoi. Je pense que notre archer va mourir dès le prochain round. Et comme c'est un perso qui est obligatoire pour la survie du groupe, bah, on va devoir reprendre ce fight. Si vous regardez les avis du jeu, il y a beaucoup d'avis qui vous diront que le jeu est extrêmement mal géré au niveau de la difficulté. C'est-à-dire que comme vous ne choisissez pas où vous engagez, bah vous perdez très rapidement, très souvent, une personne ou 2 ou 3 dès le premier round. Et là, on l'a vu, on peut rien faire là contre les archers. J'aurais pu essayer de faire fuir mon archer. C'est ce qu'il faudra que je fasse clairement la prochaine fois. Alors, si on prend l'autre option de combat, on commence ici. Je suis pas sûr que ce soit bien plus intéressant, cela dit. Est-ce qu'on a des... Ah si, on a de la couverture. Your presses shall fall.
Ready. Alors, j'ai trop bougé, je peux plus tirer. Ah, pourtant, si. J'ai encore mon action jouée, mais je pense qu'il y a trop de couverture qui m'empêche d'aller choper ces gens. Ah, mais il y en a un là-bas aussi. Donc, ils sont 6, en fait. Non, ils sont 5. Ils sont 5. Leurs archers vont être extrêmement ennuyeux. Mais on va essayer de s'occuper d'abord de leur cac. Ouais, il faudrait qu'on fasse un peu plus de dégâts. Hein. Ouais, c'est miteux hein, comme dégâts. 4% de chance de toucher. C'est pas beaucoup, hein. Dites donc. Ah, tu rates. Pourquoi ne suis-je pas étonné? Bah, eux, ils ont des arcs qui sont meilleurs que les miens. Hein. Ah, lui, il veut pas crever, hein. Mais l'archer, tu joues 15 fois par round ou... Tout va bien. T'es tranquille dans tes chaussettes. Voilà. Moi aussi, hein, je peux tirer. Hein. Voilà, on en tue un. Il est temps, hein. On n'y croyait plus. Toi, tu peux venir là. Pour attaquer lui, mais tu pourras pas l'attaquer. Donc viens plutôt te mettre à l'abri. Il peut m'attaquer, hein. Ils sont vachement plus mobiles que moi, en fait, ces mecs-là. Ouh, une attaque à 38% qui passe, dis donc. C'est bizarre, ça. 98%. Ouais, c'était pas mal, ça. Toi, tu rates. C'est moins pas mal. Ah, leurs archers ont une initiative de fou, hein. Ils jouent vachement plus souvent que moi, hein. Mon dagger, il joue jamais. Hein. Ah, quand même. 35% de chance de toucher. Mec, je sais pas, fais quelque chose de ta vie, quoi. Prends des cours. Ben, leurs archers, ils jouent, mais tellement souvent. C'est un truc fou, hein. Allez, toi, chef lui. S'il te plaît, merci. Oh là 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 là, zéro compétence, hein, zéro skill, zéro tout ce que vous voulez. Hein. Et toi tu te planques parce que t'as pris une sacrée banane dans la tronche. ...35% de chance de toucher. Oh, t'as réussi. Oh, oh là là. C'est ce truc de fou. Vas-y, cours, Forest. Vous savez que c'est pas mon archer qu'il fallait tirer, là. C'était plutôt le mec qui arrive vers vous à grandes enjambées, les gars. Il est probablement plus dangereux que mon archer. Bon, cela dit, ils ont le temps de jouer deux fois avant que mon mec bouge, donc... Franchement, je sais pas comment gérer l'initiative sur ce jeu, mais... Il y a des archers qui ont une initiative un petit peu cheatée, quand même. Voilà, prends ça dans ta gueule, vilain. Vas-y, tire-moi dessus deux fois. Je te dirai rien. Oh bah dis donc, compliqué, hein. Et
toujours pas à changer d'arme, hein, faut vraiment que je le fasse. Alors, ces objets-là, on va les garder parce qu'ils sont, ils ont des dégâts supplémentaires, vous voyez, de glace, de feu, de frostbite, d'affaiblissement. Tout le reste, c'est du classique. On a gagné 50 gold et on a gagné une magurite. Ok. Donc on va faire une save. Parce que le jeu est assez compliqué, hein, de toute évidence. Ah non, il n'a pas l'air facile, hein. Alors, on a de la progression à faire. Et surtout, on a du stuff. Toi, t'as une arme de crippling, dégâts 50-560. C'est un peu plus fat que tout ce qu'il y a ici. Toi, t'as un arc de pénétration mineure, tous de critique, dégâts 210-240. Quand on voit les dégâts qu'il y a en face, c'est pourrave. Il y a quoi comme sort? Je sais pas. C'est vachement triste, hein. C'est une heavy armor. Toi, t'as une armure légère. Armure moyenne. Toi, t'as une heavy armor. Non, t'as une steel medium. Personne n'a deux heavy armor. Lui, on va peut-être lui en donner une, quand même. Tu perds la mobilité, tu perds la dex. Tu perds la précision, mec. Mais à un moment donné, essaye de prendre de l'armure lourde. On a un marteau de guerre. Fait plus de dégâts critiques. On va le mettre en arme secondaire. Et là, on a un Steel Shield qui est aussi efficace que son Rosewood Shield. C'est un peu triste comme idée. Toi, qu'est-ce qu'on va te mettre en deuxième arme, Monsieur le Dagger, qui est lent comme c'est pas permis. Je sais pas quoi faire de toi, t'es vraiment trop lent comme mec. Je vais pas te donner une grosse arme à deux mains parce que t'es trop lent en fait. Le temps que t'arrives au cac, les adversaires ils sont partis depuis longtemps quoi. Je sais pas quoi lui donner comme arme secondaire à lui. Je donne la hache parce que je personne qui utilise une hache. Et toi, mon ami l'archer, on va te donner. Ça c'est un arc long. Dégâts 50-60, cet arc long, c'est un peu pourri là. Hein. Mais ça a meilleure portée. Tu sais quoi, tu vas le mettre là. Ben bon, c'est con parce que c'est la même compétence. Non, il y a. Ah non, longbow, c'est une autre compétence. Ah, ouh! C'est où c'est là l'inventaire? Ah oui, donc toi tu vas mettre cet arc long s'il te plaît. Faut que tu pexes ton arc long, mec. Alors, toi on a dit, t'as un point, on va donner un point d'endurance parce que je crois que les points de vie ça va être un petit peu obligatoire sur ce jeu. Hein. Je crois qu'on va tous booster l'endurance comme des gros porquis. Hein? Parce que comme on l'a vu, on prend deux claques et on est mort. Bon, lui de l'endurance il en a, il nous faut plutôt de la cuirassie. Toi, bah comme tout le monde, tu vas prendre de l'endu. Alors toi, il faut qu'on t'augmente ta mobilité, mon petit pote, hein, parce que tu as un léger problème de mobilité, mon ami. Tu as encore un point disponible. On pourrait te prendre ça, du dodge. On pourrait t'améliorer ça. Strike momentum. Permettre à la dextérité d'augmenter les dégâts que tu infliges ou augmenter la dextérité. Mais j'aimerais les deux. Si on prend un, est-ce que ça invalide l'autre? A priori, non. Donc, je pense que tu vas prendre les deux. Non, c'est pas toi. C'est pas du tout à toi que je voulais donner ça. Bon, c'est pas grave parce que ça t'augmente le dodge. Une crise d'évasive drise, donc c'est pas grave.
pour augmenter ta mobilité. On pourrait faire que tes mouvements ne déclenchent pas l'attaque d'opportunité. Pour l'instant, les adversaires n'ont pas d'attaque d'opportunité, donc je sais pas trop. Hardiness, c'est quoi? Ça augmente tes points de vie. Je pense qu'on va te donner ça, hein, comme à tout le monde. Je pense qu'on va te donner à tout le monde ça. Alors, toi, on t'a déjà pris Proficiency au shield. On peut augmenter ton endurance, ton encaissement quand tu as un shield. T'as la même impression, moi, Zeker, tu m'étonnes. On va améliorer la mobilité. C'est quoi ça? Réflexe, fortitude, ouais. On va améliorer la mobilité de nos personnages et le dodge. Nos personnages sont pas assez mobiles, je trouve, pour l'instant. En weapon ability, toi, tu as une longue sword. Qu'est-ce qu'on va faire? On pourrait te prendre posture défensive. Ça augmente la précision, l'esquive et le bonus de couverture. Pourquoi ne prendrions-nous effectivement pas ça, hein? On pourrait prendre un deuxième point d'entraînement défensif. Ce qui augmenterait les dégâts, les bonus de couverture et te donnerait une pénalité au dodge. Écoute, on va plutôt partir là-dessus. En fait, on peut partir sur les deux voies en même temps. Pourquoi pas, hein? Toi, on va augmenter ton accuracy parce que tu touches pas suffisamment et on va augmenter. Tu perds l'initiative et tu gagnes des dégâts et de l'accuracy. Ouais, parce qu'on a envie que tu fasses plus de dégâts avec, avec ton petit cure-dent là. En General Ability, toi il t'en reste une. Je vais te prendre 100 PV comme tout le monde. Parce qu'il me semble que gagner des PV c'est relativement obligatoire là. En l'état. Bon, on a fini ça. Pfiouf, c'est costaud, hein. Le jeu n'est pas facile, hein. Alors, To the Last Man. Dagger and Bleeding Heart. Recruiting Drive. Tiens, recruiting. Le mot recruiting me fait envie. Baldir a noté qu'un petit contingent de soldats rebelles sont entrés dans un village humain pour récupérer du soutien et recruter des soldats dans la rébellion. Ah, en fait, c'est pour empêcher nos adversaires de recruter. Ah, ouais. Ah ouais. Petite force marchée vers Elkanim depuis Taroei. Ok, donc on va essayer de les empêcher de recruter. Attendez, je sens un mouvement près d'ici. Qu'y a-t-il, Quintess? Une patrouille rebelle, plus loin sur la route. Nous pouvons les éviter, en quittant la route pendant un moment. Mais nous pourrions rencontrer des animaux dans les bois. Je suis pas fan de me promener dans la nature, je dirais, tentons notre chance avec les rebelles. Non, non, on va se battre contre les animaux, on s'est pas encore battu contre les animaux. On va découvrir un petit peu des ennemis différents. Un Gurahog. Celui-ci a l'air de vouloir s'accoupler avec toi, Tavias. Vas-y, présente-toi. Je serais curieux de voir le résultat d'une telle union, mais je pense que ce monstre est plutôt perturbé par notre intrusion. Il est prêt à nous charger. Sortez vos armes. Il a 1290 points de vie. Mm-hmm. Bien sûr, bien sûr. Et l'ombre, il va pas nous taper si on se met là. Normalement. Toi, tu vas te mettre en posture défensive. Toi, l'archer... Tu as 65%. Il n'est pas assez gros pour que tu aies que 65% de chance de toucher. Vraiment. Oh, crit à 262. Dis donc, l'archer a touché quelqu'un avec un coup critique. Qui l'eût cru? Toi, tu pourrais faire de la magie. Je suis pas sûr que ta magie va l'impressionner beaucoup, la bête. Ah, si Dieu a créé les arbres, c'est pour les détruire, évidemment. Ah, tu l'as raté avec ta dague. Genre, le mec est vraiment pas assez gros. On a besoin d'aide. Ces gens ont besoin d'aide. Ces gens ont beaucoup besoin d'aide. Parce qu'à part l'archer, il n'y a personne qui fait quoi que ce soit là pour l'instant.
Oh, 393, il a fait, lui. Tavias, ah ouais, c'est sympa. Bon, maintenant, faut pas mourir. 309 points de dégâts et on s'est fait dégager. Et par dégager, je veux dire dégager. Allez, Tavias, tu vas sauver l'humanité. Ou pas. Ou pas, parce qu'en fait... ah non, c'est l'archer. Tu peux venir là, tu as 100% de chance de toucher. Tu vas faire entre 50 et 470 en dégâts, c'est plutôt random. Et tu l'as assassiné, bravo. Et voyez là tout de suite, en arme secondaire, on a gagné beaucoup de weapon ability points. Donc, à noter, toujours équiper une arme secondaire, même si vous n'en servez pas. On a 250 gold de revenus. Alors, on va mettre en pause et on va attribuer nos points. T'as quoi, toi, mon petit pote? On pourrait te donner de la dex, on pourrait te donner de la force, on va te donner un peu de force. Tiens. Ah, mais on n'a pas de points. Ah, autant pour moi. J'avais pas vu qu'on avait pas de points à gagner. T'as 13 points en longsword. Ah, mon gars, t'en manques pas. On va t'augmenter tes dégâts. On va prendre ouverture de Armsman, c'est une action standard. Tu perds un point de classe d'armure avec cette attaque, mais tu gagnes de l'accuracy et des dégâts. Je pense que c'est pas du luxe. Et avec ton pouvoir de la Magurite, tu vas prendre la classe d'armure. Quelque chose me dit que ça va être utile. Alors, ça, quand tu as une... quand ta pierre est chargée positivement, ça donne la classe d'armure. Ouais. On va encore te donner de la classe d'armure. On va utiliser vraiment pouvoir la Magurite déjà pour te buffer en classe d'armure, mon petit pote. Tes sorts seront pas ultra fat, mais ce sera pas mal. Et en capacité générale, t'as un point. Quand tu portes un bouclier, on va augmenter ta fortitude. Toi, l'archer, qu'est-ce qu'on va te donner en compétence d'armes? On va faire ça, des dégâts d'agilité. Donc ça réduit la précision des adversaires si j'utilise diligence du chasseur. Alors, conditionnement de l'archer, ça augmente l'initiative, les dégâts critiques. C'est un passif. On peut faire plusieurs attaques par round avec beaucoup moins de dégâts et d'accuracy. Après, bof. Hunter's Knack. En quick action, tu peux booster tes dégâts, ta mobilité, ton initiative. Je vais prendre Archer's Conditioning parce que c'est plutôt sympa. Et à l'arc long, qu'est-ce que c'est? C'est tes chances de critique. Ranger Training. Tu fais moins de dégâts, tu as plus d'initiative. Ou Farshot Training. Tu augmentes la portée au prix de l'accuracy. Ouais, y en a aucun des deux qui m'intéresse en fait. On va quand même prendre Farshot Training, ça c'est plutôt le mode sniper à l'arc long. Ça permet vraiment de faire des dégâts de très loin, si vous voulez. Et en General Ability, qu'est-ce qu'on va te donner à toi? On pourrait te donner ça. Augmente la mobilité. Attaque d'opportunité, c'est quoi? Ça te donne une attaque d'opportunité. Bon, posture de combat. Si tu termines ton tour avec une action de déplacement toujours inutilisée, tu entreras en posture de combat, ce qui augmentera ton accuracy. Vu que toi, justement, tu ne te déplaces pas forcément beaucoup, je pense que, surtout si tu passes en mode sniper avec l'arc long, je pense qu'avec l'arc long, on peut faire des trucs intéressants. Tu tires de très loin, et du coup, avec cette, comme tu ne bouges pas parce que tu tires de très loin, avec ça, tu gagnes beaucoup en accuracy. Je pense qu'il y a moyen de faire des builds intéressants, là, en archer arc long avec ça. Toi, augmente la précision avec un bouclier. Oui, parce que toi, tu as un léger problème de précision, mon petit pote. Ça sera pas du luxe. Et qu'est-ce qu'on va te donner avec l'épée longue? Tu n'as que 5 points, toi, par contre, hein, l'épée longue. On pourrait t'augmenter ta stance de défenseur. Je sais pas quoi faire. Pour l'instant, j'ai pas grand-chose qui m'intéresse.
Et en marteau de guerre, augmenter la précision, puis faire une attaque qui augmente la précision et les chances de critique, mais qui baisse les dégâts. Ou alors, on peut améliorer la pénétration et l'accuracy. Augmente les chances de critique et les dégâts critiques. Ça, c'est tu peux stun l'adversaire ou ça, tu fais plus de pénétration. On va plutôt partir sur la pénétration, je pense. Avec le marteau. Quant à toi, avec ta dague, tu n'as que 4 points. Tu ne peux rien faire de très intéressant avec ça. On peut augmenter ton accuracy, cela dit. On va faire ça. On pourrait augmenter de 1% tes chances de crit. Pas sûr que 1% ce soit très intéressant pour l'instant. On va te donner du dodge parce que toi t'en prends plein la gueule. Et avec la grande hache, qu'est-ce qu'on peut aller faire? Entraînement de bourreau augmente le crit, les dégâts crit pardon, en perdant l'initiative. Ou l'entraînement de faucheur augmente l'initiative mais perd de l'accuracy. Non, 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 toi l'accuracy c'est trop important pour toi, mec, tu n'en apprends pas assez. Et les points de base c'est du dodge. Ça peut être intéressant. Prends ça d'ailleurs, prends un point de dodge en plus. Ok, donc on a réparti nos points. Et maintenant on peut retourner vers le fait d'essayer d'empêcher nos adversaires de recruter. Donc notez qu'en chemin il y a des rencontres, les rencontres vous laissent des choix. Donc là on a eu deux rencontres, on a eu plusieurs combats là, où on a eu des choix. On a eu le choix la première fois de commencer en plein milieu de la ruine avec de la couverture pour nous, ou de commencer plutôt à l'écart de la ruine en se faisant défoncer par les archers. Ensuite on a eu un choix entre plutôt se battre contre des rebelles sur la route ou aller chercher un animal. Donc ouais, il y a quand même des choix. Qui dit choix dit rejouabilité, c'est bien. Mon frère, je déteste la bataille, mais je suis assez ravi que tu aies décidé de nous amener sur celle-ci. Il faut que nous puissions botter le cul à ces enfoirés avant qu'ils ne recrutent. Hein? Une belle démonstration de force permettra de calmer les villageois et d'empêcher qu'ils ne rejoignent la rébellion. Bon, peut-être que ça ralliera plus humain à leur cause. Il faut agir avec précaution. Passons ce village entier au fil de l'épée. Je suis d'accord, mon frère. S'ils accueillent les rebelles parmi eux, ce sont officiellement des traîtres. Nous devons tous les éliminer. Ou on peut dire, nous devons être mieux que les rebelles. Montrons aux gens que nous sommes... Non, 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 non. Ce sont des traîtres, on doit les tuer. Je dirais, ah bon, voilà. Bon, on va certainement partir sur un combat un peu trop compliqué pour nous. Mais... à un moment donné, hein, faut essayer. Ça se tente! Partout dans le monde, nos frères et sœurs se sont levés contre votre oppression, ils se battent, ils meurent, ils veulent mettre un terme à votre tyrannie. Bon, je veux dire, ok, mesdames et messieurs, le spectacle est terminé. Au nom de mon père assassiné, le roi Senikan, je vous nomme tous traîtres au royaume. Vous rencontrerez tous le même destin que la rébellion. Allez, on y va de manière un peu bourrin. Bon, c'est pas très intelligent là, en l'occurrence, à mon avis. À mon avis, vu le nombre d'adversaires, c'était pas très intelligent. Ils ont beaucoup de points de vie? Non, ils ont très peu de points de vie. C'est à qui de jouer? C'est à mon ami l'archer. Bah justement, l'archer, il se trouve... Alors, tu peux shooter lui, qui va être un assez ennuyeux. J'aurais dû shooter un de leurs archers, d'ailleurs. C'était pas très mal. There will always be more of us. Parce qu'ils sont quand même 4 archers de leur côté. Toi, faudrait que tu ailles chercher lui. Toi, faudrait qu'on aille chercher un peu tous ces gens-là, vous voyez. Bon, toi, Dagger, je suppose que tu sais rien faire. Alors, sur ce jeu, tu peux pas te déplacer en diagonale. Si, si, mais là, on peut pas passer. Donc, je pourrais essayer de casser ça, mais ça sert à rien. Donc, je vais envoyer mon ami le dagger par là. Prendre des claques. Je pense que ce combat va très mal se passer.
Putain, leur dagger, c'est aussi des tireurs. Oh putain, ce dagger, il a tout dodge pour l'instant. Ah, mais c'est vrai, leurs archers, ils jouent 3 fois le temps que nous, on joue une fois. C'est vrai. Je n'y pensais donc plus. Attends, vraiment que tu passes à l'arc long, hein, à un moment donné. Hein. ⁇ 78% tu rates. Seems legit. Ah, t'as pris une attaque d'opportunité, toi. 700 points de dégâts sur une personne comme ça, c'était peut-être pas nécessaire, cher prince Sénikan. Ah, le mec, il est en train de t'éclater la tronche, hein. Je pense que notre dagger il va pas faire long feu là, il se fait focus. Ça va être compliqué pour lui de survivre. Toi faut que t'aides sur celui-là parce que sinon on va jamais s'en sortir. Ah mais hé, mais sérieusement quoi, cette RNG de précision. Ah tu peux plus attaquer, t'as plus assez de mouvement. Eh ben. C'est vraiment relou le fait que leurs archers aient le temps de jouer aussi souvent. Ah, attaque d'opportunité, oui, toi t'es mort, ça c'est sûr. T'es mort, mon pote. Tu l'as cherché en même temps. On va voir ce qui se passe. Bon, le dagger il servait un peu à rien, donc s'il est mort, c'est pas gravissime. Le problème, c'est que lui, il est tout seul au milieu du reste du monde, parce que lui, il est pas foutu de toucher quelqu'un. Ah, tu peux tirer au cac sur ce jeu. Ok, ça déclenche pas attaque d'opportunité. C'est plutôt fâcheux. Ouais, en fait, leurs archers jouent 2 fois par round. Hein. Ah, toi, tu vas mourir, on va devoir recommencer le combat. Non, vous laissez pas. Vous laissez à 19 PV, s'il vous plaît, les enfants. Donc on a un mec qui est perdu, hein, il est mort, hein, l'autre. Il faut envoyer un message, passer la ville par le feu, que tous sachent quel destin attend ceux qui rejoignent la rébellion. Excellente idée. Donc nous n'avons plus que 3 guerriers. Hein. Non, mais apparemment l'équilibrage sur le jeu, c'est un des problèmes, Zeker. En même temps, je m'arrête partout. Hein. Je veux dire, j'aurais dû peut-être aller à Geneva me recruter. Hein, parce que j'ai de la place pour 5 hommes. Tu vois, je me balade avec 4. Mais effectivement, la difficulté, elle est plutôt raide. Et je joue en difficulté normale. Hein. Je veux dire, je joue même pas en difficulté élevée. Hein. Mais elle est raide. Hein. Toi, tu vas faire quoi? Tu vas prendre un point de force pour gagner en dégâts aussi, mon ami l'archer. Toi, Quintess Grippa, tu vas gagner un peu d'endu, tiens. Ah, par contre, c'est la RNG, moi, qui m'inquiète plus, parce que le nombre d'attaques à 75% que j'ai envoyé dans le vent... C'était c'est assez hard. Alors en passif, on s'en fout, le marteau on s'en sert pas trop. On peut pas rendre, alors trancher, ça augmente le bonus de couverture ou augmente
Cela cuirassait l'armor class et tu perds du dodge. En gros, ça c'est vraiment tu esquives plus rien, mais tu prends moins de dégâts par attaque. Ouais, vu les dégâts des attaques, je préfère esquiver. Tu m'excuses mon petit pote, mais les dégâts sont vraiment vénères sur ce jeu. Du coup, on va plutôt partir par là. On va prendre des attaques d'opportunité aussi sur nos gens. Sauf lui, parce que bon, lui, on s'en fout un peu. Toi, qu'est-ce qu'on va prendre? Tu n'as pas assez de points pour partir plus loin par là, donc tu vas économiser tes points. Augmente la cuirassie en passif. Augmente les chances de... Oh, les dégâts de critique. Ouais. Ah, tu fais des range attack of opportunity avec Farshot Vigilance. Ah ouais, donc en gros, tu peux te mettre en Overwatch. Bah, en fait, Zeker, tu dois pouvoir recruter quelque part parce que tu peux avoir plusieurs groupes qui se baladent sur la carte en même temps, normalement, si j'ai pas de conneries. Donc, logiquement, tu dois pouvoir recruter quelque part. On va plutôt partir sur cette voie-là. Ah, au début, non, ça c'est sûr. Au début, tu te démerdes avec ce que t'as, hein, ça c'est sûr. Mon shortbow, on peut rien en faire. Et toi, qu'est-ce qu'on peut faire avec ton épée longue? Pas grand chose pour l'instant. Pour augmenter tes dégâts, mais on n'a pas de raison de le faire. Pour augmenter ta maîtrise de la magurite, mais on n'a pas de raison de le faire non plus. On va te donner du dodge, parce que je trouve que le dodge, c'est juste absolument complètement obligatoire sur ce jeu. Si je vais vers Genevan, à mon avis, il y aura quelque chose en route. Un caillou qui fait du bruit. On a trouvé un nid de bestioles de pierre. Let's get on with it. Come on. Elles sont nombreuses. Elles font pas plaisir. Toi, tu vas attendre. De toute façon, on n'a aucune raison de partir au combat d'abord. On va les laisser avancer. Bon, en plus, le dagger, il est mort tout à fait de ma faute, hein, je veux dire, c'est moi qui l'ai envoyé deuxième attaque d'opportunité. J'ai totalement zappé le fait que le mec, il a une portée de deux cases avec une arme à allonge. Rebroussaille. C'est assez sauvage. Hein. Alors, 100% de chance de toucher, mais tu fais des dégâts plutôt pourraves. Ouais, c'est pas fou, hein. C'est pas fou. Lui, il va pouvoir m'attaquer. Faut que j'aille le chercher au cac. Malheureusement, je ne pense pas pouvoir le choper au cac. Lui, il pourrait aller le choper au cac, mais il va se faire choper par les autres après. Je crois que sur ce jeu, effectivement, il faut être le mec qui tape le premier. Hein. Pas le mec qui se fait taper en premier, mais là, on va se faire taper en premier, non? Non. Je le sens pas, ce combat. Ah, bah si, on va se faire taper en premier. Je comprends pas pourquoi les adversaires ont tellement plus d'initiatives et surtout de moves que mes persos. Est-ce que j'ai raté quelque chose? Je ne sais pas. Mais je veux dire, mes persos, ils bougent de deux cases, ils peuvent pas attaquer derrière. Eux, ils peuvent bouger de 3 ou 4 cases et attaquer derrière. Donc il y a quelque chose que j'ai pas encore compris par rapport à ce jeu. Je dois bien l'avouer. Voilà. Beaucoup, mais tu le tues pas, évidemment, si tu étais trop beau. Vas-y, prends-toi un coup critique. Ouais, mon gars. On va se faire casser la gueule à une vitesse. En plus, ils font du hit and run. Vous avez vu comment ils sont mobiles? Jamais mes persos, ils seraient aussi mobiles. Même pas en rêve, quoi.
Toi, tu vas arrêter de me casser les noisettes, mon petit pote, je te le dis. Toi, tu repasses en posture def. Toi, tu peux le tuer, mais c'est rien n'est moins sûr. Alors, tu vas augmenter tes dégâts. Voilà. Ah, le jeu est vraiment hard, hein. Par contre, c'est si vous n'avez pas l'habitude de jouer à des jeux de tactique, vous laissez tomber ce jeu, hein. Vous évitez. Bon, toi, tu m'achèves lui, voilà. Toi, tu viens là, tu me l'achèves, s'il te plaît. Ou pas. Bon, toi, tu l'achèves, merci. En fait, l'archer, c'est de loin le MVP, quoi. Fallait pas se déplacer, parce qu'il aurait pu avoir une attaque d'opportunité, le vilain. Il se trouve que non, mais il aurait pu. Oh, qu'est-ce qu'on l'a pris, quand même, dans la gueule, hein, sur ce combat, hein. Bon, on l'a fait quand même. Le ou pas de XCOM est de retour. Ouais, 75% de chance de toucher sur ce jeu, c'est trop peu. Ah, ils ont capturé ici, là, les bleus. Bon. Toi, t'as pas de points de stats, t'as des points de compétences d'armes. Qu'est-ce qu'on peut faire avec toi? Augmenter tes chances de crit ou... Augmenter ta pénétration et ton accuracy, mais réduire tes dégâts. Non, on veut pas réduire tes dégâts, mec. Et avec la Magurite, qu'est-ce qu'on veut? Augmenter ta mobilité. Tiens, c'est bien ça. Et en général, on va te donner une attaque d'opportunité, mon petit pote. Parce que t'es au cac et c'est pratique d'avoir des attaques d'opportunité au cac. Toi, avec l'arc court, qu'est-ce qu'on va prendre? On a déjà pris Archer's Conditioning, qui augmente les dégâts d'initiative, les dégâts crit. On pourrait prendre 3 attaques par round, mais avec un gros malus dessus. Ça ne vous intéresse pas beaucoup. Mais on va le prendre pour aller chercher bandage extensif qui permet de repousser les adversaires. Toi, j'aimerais que tu ailles chercher Take Aim, c'est une action rapide qui permet d'augmenter... tu perds l'initiative, probablement pour round suivant, mais tu gagnes des dégâts et de la curation. Bon, après, c'est à l'arc long, donc à la limite, on s'en fout un peu. On s'en sert pas. Et toi, qu'est-ce qu'on pourrait te donner Si tu ne fais pas de points de dégâts à la fin d'un tour, tu entres en combat défensif jusqu'à la fin du tour suivant, tu gagnes des réflexes. Et là, si tu fais des points de dégâts, tu entres en posture offensive jusqu'à la fin du prochain tour et ça augmente tes dégâts. Je pense que ça peut être intéressant. Ça. Cette branche, Combat Stance, ouais, Bruce, on a perdu notre dagger. La branche, là, les postures de combat, si vous l'associez avec un arc long et vous la jouez en mode sniper à 25 cases, ça doit être mortel comme truc. C'est vraiment dommage que j'ai un arc qui fasse que 50-60 en dégâts. C'est pourrave. Parce que sinon, ça aurait été énorme. Toi, on va te prendre du dodge. Le dodge, c'est la vie. On va t'augmenter en épée longue. On va t'augmenter ta posture défensive. Je pense que c'est un peu nécessaire. T'as vraiment trop peu d'accuracy, mon pote. Et au marteau de guerre, qu'est-ce qu'on veut? Qu'au marteau, tu augmentes la... pénétration, mais tu l'as déjà utilisé, ça, ok, donc c'est bon. Lui, si seulement j'avais un arc long de qualité pour lui. Mais là, j'ai un arc long, dégâts 50-180. Bon, son arc à lui, c'est dégâts 210-240. Vous voyez, en termes de dégâts, il n'y a pas à chier, hein, c'est extrêmement fort. Hein. Alors, toi, tu as une armure qui donne... De la dex, de l'agilité, de la fortitude, du réflexe.
Bon, c'est largement meilleur que tout ça, effectivement. Et toi, tu as une armure qui fait perdre l'initiative aux gens qui sont proches de toi. Et c'est de la vie, on n'a pas mieux que ça en heavy. Bon, bah écoutez, c'est pas foufou, hein. On a plein de loot, mais il sert un peu à rien. Avez-vous entendu parler des terres intérieures? L'armée a été vaincue au combat. L'héritier de Kalanthorn a été tué. Et ils ont été mis en déroute par la rébellion. Ok. Oups, ils veulent se battre. Le prince, regardez, c'est une fissure Bracati, une porte vers l'autre monde. Elle est belle, mais dangereuse. Les Bracati qui nourrissent la Magurite et l'emmènent dans notre monde passent par ces fissures. Non, non, mais on va essayer de pas... Ah, mais rien à faire, on est obligé de se battre contre eux. J'aurais voulu qu'on me laisse le choix d'éviter. Bande d'abrutis, vous pensiez qu'on pouvait le gérer nous-mêmes. Blablabla. Bla, 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 bla. Alors, c'est un Bracati, il est blessé, il est tout seul. Pipo l'archer, tac 35%. Est-ce que tu vas faire Pipo? Lui, il n'est pas ultra mobile pour l'instant. 100% de chance de toucher. Voilà, maintenant il devient mobile et maintenant il devient énervé, je pense. Quelque chose me dit que la personne est énervée. Ah, en fait, la personne est un magicien. Ce qui est logique quand on y pense. Ah, le mec peut lancer plusieurs sorts par round. Ah, easy! Ah ouais, moi aussi, si je peux lancer 25 sorts par round, je pourrais faire le kéké, hein. Je sais pas combien de points d'action le mec il a, mais il en a un peu plus que moi. Prends ton arc long, toi. 35% de chance de toucher, et c'est pas beaucoup. Toi, tu vas augmenter tes dégâts. Voilà. S'il me bute pas mon archer. Alors, mon archer pourrait tirer. J'ai 100% de chance de toucher. Pourquoi pas. 163 points de dégâts, ça valait le coup. J'espère être trop loin pour qu'il me fasse un sort à la tronche. Toi, tu vas passer un peu sur def. Ça augmente ton accuracy. Et tu lui laisses 72 points de vie, évidemment. Oh, toi, faut que tu le tues, hein, parce que sinon, on va être mal barré, là. Il était temps d'en finir avec lui. L'archer s'est fait casser la gueule. Bon. Alors, l'entraînement nous permet de poursuivre une voie grandiose. Où ma mère disait, celui qui se salit les mains se prive de dessert. Et j'aime trop mon dessert. Ouais, on va observer ça de loin. Hein, on va essayer d'éviter de déclarer des combats qu'on ne souhaite pas déclarer là. Ça me semble plus judicieux. Toi, on va te mettre encore un point d'endu. On va essayer de faire un mec un peu... Voilà. Toi l'archer, on va te donner un peu d'endu parce que comme on vient de le voir, c'est un petit peu en carton pâte, et toi on va te donner un peu de force. Ça pourra pas te faire de mal. Quant aux compétences, toi avec l'épée longue. Pour l'instant on n'a pas grand chose à faire de toi. Toi, à l'arc, on a dit qu'on va aller chercher cette volée de flèches, qui ne sera pas très utile, mais on a besoin pour aller chercher Extensive Draw. Qui est un passif qui met du knockback sur les adversaires. Et toi, avec ton épée longue, on t'a pris bruteur de précision, ça augmente tes chances de crit. Si on te l'augmente, on fait chance de crit, on passe de 7 à 12%. Ah, beaucoup de crit, c'est bien. Ça peut être utile. «
Alors, en capacité générale, qu'est-ce qu'on va te donner à toi? On va augmenter ta précision. Ouais, c'est pas mal. Toi, posture de combat. La posture offensive augmente l'accuracy et les dégâts. Je trouve que ça, c'est potentiellement incroyablement puissant, ça. Vraiment. Franchement, avec son arc long, il fait des dégâts miteux. Mais avec les histoires de posture, je suis sûr qu'on peut le buffer pour qu'il devienne une brutasse épaisse. Toi, on pourrait t'augmenter ton dodge, hein, et on n'a pas de raison de ne pas t'augmenter ton dodge encore une fois. J'aimerais réussir à arriver à Genevan, à mon avis, on n'aura pas le temps. Pour voir ce qui se passe. Comment peut-on t'aider, l'ami? Je pensais que vous aimeriez savoir que la rébellion a une grande armée qui arrive. Ils cherchent les princes. Et vous y ressemblez. Si j'étais vous, je me presserais. Oui, ils sont en train d'arriver là. Alors, nous arrivons à Genevan. As they neared the walls of Genevan Castle, there was no fanfare or jubilation. Only a final respite for the weary band marching up the winding path. For the young princes, it was a homecoming of sorts. A return to the seat of the first kings, and now the last refuge for the young heirs. Here the loyal few rallied. Here they made their stand. And here the rightful heirs of Atyras shall rise. Ok, donc les héritiers vont s'élever ici dans cette vieille ruine où se sont rassemblés tous les gens fidèles. Au prince. Ah, mon prince, nous n'avons pas encore eu la chance de parler depuis que Leyvan a été couronné. Mais il est temps pour vous de prendre les rênes du leadership de cette guerre. Ouais, c'est donc Leyvan qui est devenu roi. Et mon frère, tes espoirs d'oisiveté doivent être balayés pour l'instant. Eh oui, le leadership est un poids que peu peuvent porter, et encore moins d'entre eux sont destinés à le faire. Vous deux avez un rôle à jouer dans cette guerre et dans la prochaine. Et par cela, il veut dire que je serai enfermé dans une salle poussiéreuse avec une fourniture infinie de parchemins et de livres pendant que toi t'iras t'éclater en mon nom. En tant que roi, Leyvan doit porter le futur de notre peuple sur ses épaules. L'humanité n'a pas choisi de se mettre en branle contre nous, comme ça, sans raison. Nous sommes faibles et nous sommes vulnérables. Vous devez légitimiser votre règne. Alors, ouais, on va être d'accord, ok. Il y a aussi la question de nos forces qui s'amenuisent. Nous ne pouvons pas faire front face à un tel nombre. Ils ont perdu la garde rouge. Les forces de garde locaux sont éparpillées, morts ou ont juré fidélité à l'ennemi. Nous ne pouvons compter que ce qui nous reste et invoquer la serre. Et une ancienne force d'une ancienne guerre. Qui n'a pas été invoquée depuis des générations pour une simple raison. Nous ne sommes plus que l'ombre des héros de nos récits d'enfance, blablabla. Bla 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 bla. Jusqu'à ce qu'on puisse les invoquer. Il va falloir faire avec ce qu'on a. Alors. Sachant qu'en plus, on ne pourra en invoquer que 3. Mais apparemment, les deux autres factions se sont entre-détruites.
le temps qu'on arrive ici. Du coup, ça les a affaiblis. Des pierres pour permettre à Tavas de commander des groupes de combat. Donc, comme je disais, il y a trois groupes de combat à mener. Alors, du coup, Tavias est nommé maréchal de l'Empire. Alors, et du coup, c'est pour ça que il fallait pas perdre ces personnages sur les premiers scénarios, parce qu'apparemment, c'est pas eux qui vont participer, en tout cas pas directement. Il va falloir créer ces personnages. Vous voyez, on n'a plus de personnages là, donc il faut recréer un groupe. Ah si, ils sont là. Alors. Donc on a trois groupes. Maintenant la question c'est comment recruter. Si je fais ça, ok. Va récupérer toutes les régions. Celle-ci va nous donner de l'or. Donc il va falloir déplacer nos groupes, explorer les régions, ce qui prendra du temps et ça donnera une quête de revendication. Et si on l'a fait, on récupère la région. Mais on peut le faire que sur des régions qui sont adjacentes à celles qu'on a déjà. Ok. Nombre de recrues sera affecté par le nombre de régions qu'on a. Donc régulièrement, il y aura une mise à jour des recrues. Et le nombre qui sera rajouté dépendra du nombre de régions qu'on a au début de la semaine. Donc on a un groupe là, et après ben, nos personnages ils sont là. Lui il est en dague et ça me plaît pas du tout. Est-ce que je peux pas lui donner mieux qu'une dague? Ouais, il a une dague 500, 50 à 200 en dégâts. Ouais. On va quand même leur donner une arme alternative. Toi je vais donner une épée longue. Toi qui as un marteau à deux mains, ça me plaît bien, je vais te donner une épée longue aussi. Et toi qui as une hache, je vais te donner une hache à deux mains. Donc lui il est fort en endurance, pas trop en force. Ok.
Lui, il est plutôt orienté force endue. Ouais, bon, ils sont pas des stats complètement dingues. Hein. Lui, il est à fond en attack of opportunity. Je suis pas sûr que ça me plaira beaucoup. Ouais, je suis pas sûr que ça me plaira beaucoup tout ça. Ouais, je sais pas trop. Bon, en l'occurrence, on est en train de me dire que j'ai pas d'archer là. Ça, par contre, ça me va pas du tout. Toi, ne puis-je pas faire de toi un archer? Ou toi là, qui a la moins bonne armure? Toi, t'as une armure lourde. Faire de toi un archer plutôt. Bon, donc la première zone qu'on peut aller voir, c'est celle-là a priori. Prostavias, regardez ça. Conseil des Free Lords. Nous, les seigneurs libres, avons en solidarité choisi d'élire le conseil des seigneurs libres d'Atiran, comme c'est toujours le cas dans les périodes de troubles. Nous appelons les combattants pour qu'ils entendent notre avertissement. Notre monde ne survivra pas à un conflit prolongé. Faites la paix rapidement, blablabla. Non, c'est une blague. Il est de façon peu probable que nos adversaires n'acceptent de se rendre. Bon, du blabla sur est-ce qu'il faut suivre ce conclave. Donc en gros, le conclave, je crois que c'est une des conditions de victoire du jeu. Si je ne m'abuse sur ce jeu, là où c'est compliqué, c'est que vous pouvez conquérir le monde entier, mais perdre le jeu quand même, parce que le conclave est contre vous. Le conclave va nous juger. Et nous devrons lui répondre. Si je ne m'abuse. Donc la conquête militaire, c'est bien, mais c'est pas l'objectif, le seul objectif du jeu. Alors que votre influence grandira dans les régions d'Atiras, les représailles des ennemis seront inévitables. Les factions ennemies pourront lancer des invasions depuis les régions adjacentes sous leur contrôle. Les régions menacées seront marquées par le marqueur d'invasion. Un timer sera indiqué, donc par exemple là, 44. Déplacer un pion de groupe dans cette région permettra de chasser quoi, l'invasion une fois que le compteur arrivera à zéro. Les régions non défendues seront revendiquées par les factions ennemies. Et y déplacer un pion de groupe fera apparaître une quête de reconquête. Complétez cette quête comme n'importe quelle autre pour que la région soit à nouveau à vous. Alors à l'Ankara, là on est en phase de recherche, et apparemment il y a une quête. Traître et voleur. L'Ankara est dans un état de chaos, alors que les agents de la rébellion, des bandits et quelques poches de résistance de Neshalan s'affrontent ouvertement dans la région. Je craignais que toute la garde rouge n'est disparue, mais l'ordre se tient là où il peut. Vous devez vous presser, ces hommes ne tiendront pas longtemps. Et l'or, n'oublions pas l'or que l'on trouvera dans les wagons des marchands qui se font piller ici. Non, non, d'abord les hommes, avant l'or. Allons essayer de sauver des hommes. Sire, la garde rouge est piégée sur un pont, les rebelles sont derrière eux. Les pillards et les voleurs les entourent. Soyez promptes. À mon avis, ça va être prompt pour nous casser la gueule, plus qu'autre chose. Ok, donc il faut qu'on rejoigne nos amis. Donc si je ne m'abuse, il faut qu'on aille par là. Donc il faut qu'on affronte tout ce petit monde. Et ils sont nombreux et ils ont un archer. Et nous n'aimons pas les archers. Bon, certes, c'est un archer. Ah, c'est 380 points de vie, hein, ce paysan armé, là. Toi, mon petit pote, comme d'habitude,
pour les daggers, tu as 3 points de mouvement, donc tu ne sers à rien. Ah oui, il y a des alliés, il n'y a pas que des ennemis. Ah, pardon, des alliés de l'autre côté de la map. Ah, donc nos ennemis ils vont foncer vers nos alliés, je suppose. Le problème, c'est que toi, tu vas te... T'as zéro couverture, donc tu vas te faire tirer comme un lapin. Ah bah non, ils partent sur nos alliés. Ah ouais, ah ouais. Bloody died and made you king. You have need of me. Ready. Allez les gars, faut courir là. Honnêtement, je dois dire, Zeker, je sais pas ce que t'en penses. Toi, je pense que c'est ce genre de jeu qui peut t'intéresser, mais ça a l'air plutôt bien troussé. Difficile, mais plutôt bien troussé. Alors le dagger, comme d'hab, t'es le mec le plus lent de l'univers. Je sais pas pourquoi les daggers sont aussi lents. Alors toi avec ton marteau, j'aimerais que tu tapes sur lui, mais tu n'auras pas la mobilité pour le faire. Oh, il y a un adversaire qui vient de se prendre une flèche dans l'œil, ça ne va plus. Oh bah il vient de décéder. Crit à 623, tu m'étonnes. Toi... Explique à ce monsieur que c'est mal de se battre contre nous. Voilà, ça c'est fait. Donc on aurait pu aller plutôt s'occuper de chariots de marchands qui ont été pillés pour essayer de ramener de l'or. L'ennemi aime beaucoup les tactiques de hit and run. Chance à trouver que c'est pas forcément stupide de jouer le hit and run comme ça. Ou mon petit pote le dagger, tu sers vraiment à rien. Faut vraiment que tu passes archer le dagger. Ah mais en fait non, c'est nos alliés là en blanc qui se font défoncer la gueule, non? Bah non, puisqu'on les tue. Tu es quoi toi, arrête de garder... Ouais non, c'est eux les amis. Toi, tu vas aller dire bonjour à la personne qui est là. Tu peux pas l'attaquer, mais c'est pas grave. Toi, tu peux l'attaquer. Bonjour! Au revoir. Ah, c'est des ennemis, là, les bleus. Ah, il y a plusieurs groupes d'ennemis. Ah ouais, d'accord, c'est... Ouh là là. Toi, tu vas passer sur l'arc. En fait, il y a des paysans ici, et de l'autre côté, j'ai l'impression qu'il y a des rebelles. Les rebelles sont plus costauds que les paysans. Enfin, ils ont l'air d'être deux les bleus. Hein. Ou trois, je sais pas trop comment ça marche. Ça. Ils sont peut-être 5 ou 6 en fait, je sais pas trop. Oh lui, là, il va décéder lui. C'est pas arrangeant tout ça. Non, mais quand tu vois la différence de déplacement entre tes personnages, c'est impressionnant. Hein. Ah, ils ont un archer, on n'aime pas les archers. Les archers sont pas nos amis. Toi avec ton marteau de main, t'es malheur à être fameusement lent aussi. Pendant ta gueule, j'aime ça. Bon l'archer, tu te sens pas un peu seul là? J'ai l'impression que le bleu, j'aurais même pas le temps d'aller lui dire bonjour, il sera mort avant. Ouh, ce miss qui fait plaisir. Alors, t'aurais peut-être pas dû foncer au cac avec ton marteau à deux mains là. T'es peut-être pas tout à fait en état de faire ça, mec. Bon, ça va, le mec, il t'a pas tiré dessus. En tout cas, ils fuient bien les ennemis, hein, y a pas de problème, hein, c'est des pros de la fuite. Hein. Ah, bah, vous êtes une vue bienvenue.
Ça devrait être les derniers d'entre eux, des rebelles. En tout cas, ils nous chassent depuis plusieurs jours. Une chance que nous ayons rencontré ces bâtards en chemin. Combien d'entre vous reste-t-il? Il ne reste que ce que vous voyez là, peut-être un ou deux autres qui se promènent dans la région, s'ils sont toujours vivants. Alors on pourrait dire, vous êtes en sécurité maintenant, et avec votre aide, le capitaine et ses exploratives ont sécurisé cette terre au nom de la couronne de Kainikan. La couronne a toujours besoin de vous, ou reposez-vous, vous l'avez bien mérité, la couronne restaura l'ordre dans cette région, et en temps à Tiras, on va demander leur aide. Du coup, on va tout prendre. On a gagné. Alors, la personnalité de nos suivants s'est améliorée de 2. Et on a gagné 500 gold. Félicitations, vous avez revendiqué votre première région. Ce n'est qu'un petit pas, mais c'est le premier de longue série. Cette région va maintenant contribuer avec des revenus d'or, de votre effort de guerre. L'or peut être obtenu en vendant des objets au marketplace, touche M, ou en vendant des armes et armures lootées. Avec la garde rouge décimée, vos serfs seront les seules forces disponibles pour amener l'ordre et la justice sur vos terres. Les régions sous votre commandement auront certainement des quêtes régionales supplémentaires. En plus de ça, vous pouvez recevoir l'opportunité de porter des coups directs contre vos factions rivales en accomplissant des quêtes histoire au fur et à mesure qu'elles apparaissent. Vous pourrez les voir en appuyant la touche tab, vous ferez apparaître toutes les quêtes qu'il y a. Cette guerre a mis Atiras dans son entièreté, hein, dans le chaos. Au fur et à mesure que vous et vos forces vous battrez pour revendiquer des régions, vos ennemis le feront également, les rebelles et la faction des Claimants continueront à s'étendre. Donc là on a une quête ici. Ok. On n'a pas de nouvelles recrues, hein, du coup, non. C'est dommage. On a espéré, quoi. Bon, en tout cas, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'est ça, il y avait des alliés, ils étaient encerclés. Voilà. Les combats sont plutôt courts, je trouve, pour l'instant, en tout cas. Il n'y a pas beaucoup d'ennemis, et que ce soit les ennemis ou vos personnages, ça meurt vite. Hein, ça meurt en 2-3 baffes. Du coup... Ça fait des combats ouais plutôt courts, sachant que bon, il va en falloir beaucoup, hein, puisque toutes les régions là, il va falloir les conquérir, hein, les conquérir ou les reconquérir. Il y a du taf, hein. Il y a beaucoup de taf, mais je pense qu'il faut qu'on conquiert cette région et puis toutes les régions autour. Là, petit à petit, il va falloir qu'on se décide. Est-ce qu'on va reconquérir ici pour faire un front direct avec les rouges? Est-ce qu'on veut plutôt aller par là? Je ne sais pas, on verra. Mais donc voilà, là on a toutes les quêtes, campagne. Il faut aller récupérer une des régions avoisinantes. Bah, c'est ce qu'on vient de faire. Quête de territoire. Voilà, on a toutes les quêtes de territoire ici. Tous les territoires où on peut aller. Région neutre, région loyaliste, etc. Les différentes rencontres à faire. Vous voyez, là, par exemple, il y a 18 jours, si on veut y aller. Bref, il y a beaucoup de choses à faire. Et apparemment, c'est relativement ouvert. J'ai peur que ce soit très couloir, vous voyez, ça a l'air d'être quand même relativement ouvert. Donc, je pense que c'est un jeu intéressant. Pour qui aime les combats tactiques et la gestion de groupe. Après, je trouve que les personnages évoluent quand même relativement beaucoup au niveau de leurs compétences. Cela dit, vous pouvez monter les différents niveaux. Il y a des builds intéressants, je pense, à faire. Encore une fois, le build arc long, avec ici en capacité générale, combat stance. Un combat stance, si vous ne vous déplacez pas, bah, vous aurez plus de précision pour le prochain tour. Si vous avez fait des dégâts à votre tour, vous passez en posture agressive qui vous fait 100 dégâts en plus pour le prochain round. Et là en plus, si vous êtes en posture offensive, ça augmentera encore vos dégâts et votre précision. Et bref, vous allez vraiment avoir un truc assez intéressant là. Et du coup, pourquoi l'arc long? Parce que l'arc long
fait en sorte que vous tirez de très loin, donc vous allez moins utiliser les, potentiellement moins utiliser les mouvements, et du coup faire des trucs intéressants. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt.